Allez, vas-y. Voilà. Je pense que c'est... Pas bouger, ça. Mais là, il veut partir dans le trou. Et après, qu'est-ce qu'il doit faire? Faut pas l'aider? Non, après, tu es là. Hein. Non, c'est pas mieux, ça, te guide. Non, c'est ben ouais, je disais la même chose. Là, ça passe tout seul, là. Pour prendre le bien large. Il y a l'étoile du cap. Il voit pas, hein, comment il faut enrouler, dis-lui. Encore, va tout droit, alors. Va tout droit, tout droit. Tout droit. Allez, vas-y, redresse. Doucement. Voilà, vas-y. Vas-y. Mais... Regarde à droite, là-bas. Reviens vers moi. Reviens vers moi. Vas-y. Encore. Encore. Vas-y. Redresse, voilà, vas-y, tu peux y aller. Ça passe. Redresse, voilà, vas-y, c'est bon. Pas tout droit. Doucement, voilà. Photo. C'est la photo là. Ah merde, attends, je filme. Allez, vas-y, redresse à droite. Allez, vas-y. Voilà, je le ferai doucement, elle va tomber. Voilà. Et redresse, voilà, c'est bon. Ouais, c'est le vieux taco. Non, nous on rigole, elle dit que c'est le vieux taco. Ah, c'est pour ça. Elle est hyper motue pour le taco. Ah oui. Pour moi, un vieux taco, c'est un catate qui est vieux, mais on le vend très. Ouais, parce qu'à chaque fois on dit on va le vendre le vieux taco. Non, faut pas le vendre. Ah non, pour là, pour ça, c'est le mieux. À chaque fois, Jérôme dit quand il faut aller.